Cette fois, ça force se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego custom. Aujourd'hui, un petit custom Ninjago sur le passé Ninjago, tout simplement. Je vais faire une petite série comme ça de plusieurs anciens maîtres élémentaires en fait. On va commencer par du coup l'Alliance. Et donc, on va commencer par Wu. Donc, du coup, Wu, j'ai tout simplement pris les cheveux de Chase McCain, notamment la flingue qui était disponible dans un set city. Là, une tête simple, notamment que j'utilise moi pour mes figurines à moi. Voilà, j'ai utilisé le torse et les jambes Wu Legacy par contre, mais vous pouvez aussi utiliser la version de 2011, je l'ai, c'est juste que je voulais garder ma figurine entière en fait, parce que je compte le garder ce custom, mais voilà, si j'ai un mock vraiment que je dois vous présenter, j'utiliserai l'ancienne version. En tout cas voilà, ça rend très bien, même si du coup, bon bah c'est typiquement Legacy là... l'utilisation, parce que c'est ça, il a vieilli un petit peu son kimono. Du coup, si vous avez la version 2011 entre les mains, vous pouvez faire ce custom sans problème. Voilà, donc c'est à peu près tout pour ce petit custom. En fait, je voulais juste vous présenter, parce que vu que je vais faire derrière toutes les fiottes de l'Alliance élémentaire, voilà, je voulais commencer par le chef, on va dire. Si après, j'aimerais bien vous faire le premier du Spijitsu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Bah oui, effectivement, il y a des leaks comme quoi on aurait... Garbadon jeune, qui irait Wu. On n'a pas d'idée pour Wu jeune, donc du coup, on va garder les deux. Et du coup, voilà. Ce sera dans les prochains sets Ninjago United, pourquoi pas. Et voilà, ouais. Donc, du coup, c'est à peu près tout pour cette petite vidéo Lego. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé une fois que j'aurai fait le post communautaire. Hein. Et voilà, bah, du coup, c'était MCH qui vous dit bye bye!